Voilà, bonsoir, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Dieu est en train de nous amener très loin. Nous allons loin avec Jésus. Nous allons très loin avec Dieu. Nous allons très loin. Et dans ce voyage où Dieu nous amène loin, ma prière, c'est que vous fassiez part. Que vous preniez part à ce grand voyage. Parce que c'est vrai que ce voyage a un côté festif, un côté douloureux. Mais dans tous les cas, l'engagement à servir le Seigneur Jésus-Christ doit être un engagement à vie et à mort. Ça veut dire qu'on sert Jésus dans les bonnes et les mauvaises conditions, qu'on soit béni ou pas, qu'on soit en santé ou pas, qu'on soit riche ou pas. On veut servir le Seigneur Jésus-Christ. Et on lui est fidèle, on est loyal. Jusqu'à la mort, nous porterons notre croix et nous servirons le Seigneur. Donc je voudrais vous inviter déjà ce dimanche 28 février à partir de 8h, nous aurons deux grands cultes. C'est le grand culte familial avec service d'eau ointe. Soyez de la partie parce que Dieu veut nous amener très loin. Ne laissez pas les petits-enfants à la maison. La recommandation que Christ a donnée concernant les enfants, c'est laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas. Donc c'est une responsabilité et une vocation de la part des parents. Nous négligeons souvent nos enfants, on dit « Ah non, je vais à l'église, l'enfant lui peut encore rester, ce n'est pas important, il ne peut pas comprendre ce qui se passe. » Le tout n'est pas de comprendre la prédication qui se passe, mais d'être dans la présence de Dieu. Il y a quelque chose qui est fixé dans la vie de votre enfant. Il peut avoir une rencontre personnelle et spirituelle avec Dieu et avec le Saint-Esprit dans son petit esprit d'enfant que vous méprisez, que nous avons tendance à mépriser. Voilà pourquoi. Pour moi, l'église, je ne peux pas m'amuser avec notre fille. Elle doit être à l'église. Mais si c'est comment, je vais venir avec elle. Vous voyez, c'est important. Parce que dans ses yeux, etc., elle peut rencontrer Dieu et rencontrer des anges. Parfois, l'enfant court, on veut l'en empêcher. Pourtant, il est en train de jouer avec des anges. Il faut que nous comprenions ce mystère-là. De ce dimanche 28 février, c'est la clôture du mois de février. C'est le dernier dimanche de ce mois. Ne manque pas, s'il te plaît. Dieu fera quelque chose de grand. Et c'est le thème. Nous allons clôturer le thème. Seigneur, souviens-toi de moi. Que Dieu se souvienne de vous, quelle que soit la peine que vous traversez. Nous tous, nous sommes des humains. Ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui concerne l'homme, la vie de l'homme sur la terre, l'expérience humaine sur la terre et l'expérience humaine avec Dieu. Ouais, il y a tellement de choses qui on peut se poser des questions là-dessus. Et je pense que peut-être demain, lors du direct de 10h, je pourrai en reparler. Mais pour le moment, je vous invite déjà au dimanche qui est en train d'arriver. Il faut dire que pour le mois de mars, les habitants de Douala ne sont pas oubliés. Nous allons inaugurer mars avec Douala. Le Seigneur vous aime tellement du côté de Douala. Dernièrement, nous avons passé 3 jours ahurissants, 3 jours de témoignages, 3 jours de prodiges, 3 jours de miracles, 3 jours d'expérience avec le Saint-Esprit. Et je pense que nous aurons cette fois-ci 4 jours. 4 jours avec les habitants de Douala. Donc, s'il te plaît, quel que soit ton problème, viens essayer mon Jésus. Tu es allé à gauche, à droite, tu es monté, tu es descendu, rien ne s'est passé. Je pense que viens essayer Jésus-Christ. L'église est en Dogbon, derrière l'immeuble Kamlay. Alors, la population de Douala est invitée massivement. Venez avec les cas les plus difficiles, les cas les plus désespérés. Vous croyez en Jésus, vous aimez le Seigneur Jésus, vous voulez avoir une expérience personnelle avec lui, le connaître dans une nouvelle dimension et surtout être nourri, nourrir votre âme et votre esprit par un enseignement révolutionnaire. Alors, Rema Ministry Mission Douala est le lieu indiqué. C'est en Dogbon derrière l'immeuble Kamlay. Donc, ne manquez pas ces premiers 2, 3 et 4 mars, tous les soirs à partir de 17h. Et le 4 mars, je crois que jeudi matin, j'aurai une session extraordinaire avec tous les bâtisseurs de la maison de l'Éternel. Nous aurons l'opération 2 minutes avec le prophète, avec vous. Donc ce sera extraordinaire. Et pendant le mois de mars et toujours, il faut noter que nous aurons une très grande nuit de flammes. La nuit de flammes du 19 février, ça je veux le dire personnellement, ça a été pour moi peut-être l'une des plus belles nuits de flammes dans la présence de Dieu. Laissez-moi vous partager ce témoignage. Depuis qu'on est rentré de la nuit de flammes du 19 février, jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à dormir. Pourquoi? Parce que dès que je me couche, c'est les chants en langue qui montent dans mon cœur. C'est le ciel que je vois. C'est la gloire de Jésus-Christ que je vois. Et je vous assure, depuis, je suis dans l'esprit. Ça dit que mon esprit nage et évoque dans l'esprit. Je virevolte dans l'esprit.
Donc, je n'arrive pas à dormir. Dès que je dors, c'est des visions, c'est des chansons en langue. Donc, voilà, je suis tenu éveillé. Et je dirais que ma nuit de flamme continue encore, mais à huis clos, avec le Saint-Esprit. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ce genre de programme. C'est-à-dire que vous faites un programme, vous revenez de votre programme, et cependant, vous êtes plein de Dieu. Vous sentez que vous êtes plein du Saint-Esprit jusqu'au débordement. Votre âme, votre esprit, c'est-à-dire que je suis à la maison, ma main est sur la tête, je tiens la tête à cause des dimensions que l'Esprit de Dieu me fait visiter. Donc, je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive qu'à prier. Je prie et je prie, je prie. C'est-à-dire que je suis pris en otage par le Saint-Esprit depuis le 19. Depuis la nuit du 19 février, je suis en otage. Le Saint-Esprit m'a pris littéralement en otage. Quand je dis littéralement, c'est très sérieux. Je ne suis pas en train de plaisanter. Donc, je suis ivre depuis le 19. Ivre. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu était abondante pendant cette nuit de prière. Donc, je pense que Dieu fera de plus grandes choses ce vendredi 26 mars à partir de 21h. Je vous invite, s'il vous plaît, venez expérimenter la gloire de Jésus-Christ. Venez expérimenter la puissance redoutable de notre Jésus-Christ, le ressuscité. Donc, vous êtes mes invités personnels. Et il faut dire que le 28 mars, à partir de 7h, le 28 mars, nous aurons trois cultes familiaux. On aura trois cultes familiaux. Ça veut dire que le culte familial se tiendra en trois sessions extraordinaires. On aura le premier culte familial qui ira de 7h à 9h. Le deuxième culte qui ira de 9h à 11h. Et le troisième culte qui ira de 11h à 13h. Voilà, voilà comment le culte familial se tiendra. Et désormais, pendant toute cette année, c'est comme ça que nous travaillerons pour les cultes familiaux. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a des milliers et des milliers de personnes compactes dans un seul endroit, parfois il peut y avoir des insatisfactions, surtout au milieu de ceux qui, si on ne les a pas touchés, si on ne leur a pas adressé une parole personnellement, ne se sentent pas bénis ou bien ne se sentent pas être allés à l'église. On va essayer de résoudre ce problème-là. Et puis, en même temps, nous voulons prendre soin des gens. Nous voulons essayer de répartir les choses pour rendre le ministère effectivement au plus grand nombre de personnes. Et l'autre raison, c'est que l'espace ne suffisant plus. L'espace ne suffisant plus, donc on est obligé de multiplier le culte pour permettre à tout le monde de pouvoir se sentir à l'aise dans la salle, vous voyez. Et une autre chose, une autre raison, c'est que nous voulons permettre à chacun de choisir sa tranche de culte désormais. Il y a des gens qui sont très occupés tôt le matin et ils peuvent venir faire le deuxième culte ou bien le troisième culte. Voilà, il y en a qui veulent se libérer très tôt le dimanche pour faire d'autres choses. Ils peuvent venir simplement 7h, ils se lèvent très tôt, ils sont là à 7h, ils font le culte. 9h, eux, ils sont libérés, ils rentrent chez eux. Et d'autres aussi, 9h, 11h, ils sont chez eux. Et d'autres, ceux qui ont à faire le matin, ils viennent à partir de 11h. Et jusqu'à 13h, il finit son culte, il rentre. Donc, il y a tellement d'avantages à faire plusieurs cultes. Vous savez que chez les catholiques et chez certains de nos frères, le culte, c'est à 6h. Donc, voilà un peu. Donc, ne manquez pas ces grands programmes et la main de Dieu sera sur vous. Et pour les conférences de bienfaiteurs de Joseph d'Arimathée, je m'adresserai encore de façon précise aux bienfaiteurs et aux Joseph d'Arimathée. Parce qu'il faut dire que cette année, nous l'avons commencé un peu sur un mauvais pied. Je veux aussi comprendre qu'on a eu beaucoup d'engagement au début de cette année. Et je bénis Dieu pour vos cœurs, je bénis Dieu pour chacun de vous. Je bénis Dieu pour l'engouement et surtout pour son esprit qui a éveillé vos esprits pour prendre à cœur votre responsabilité de chrétien. Vous avez tellement bien porté cette responsabilité. Nous avons fait une très grande réalisation, mais on doit achever cette réalisation. Donc bientôt, on doit mettre les carreaux au sol à la bire, on est en train de travailler les poteaux. Il y a des appartements à l'intérieur, des bureaux et appartements que nous allons faire. On va faire construire. On va aussi commencer ça d'ici le mois prochain parce que j'ai encore un défi que je suis en train d'achever. C'est que nous avons, dans les dépenses annuelles de notre ministère, nous avons environ besoin de 200 millions de francs CFA. 200 millions de francs CFA pour payer tous les loyers de l'église, pour payer toutes les factures d'électricité, pour payer le satellite. C'est-à-dire que je parle de factures annuelles. Pour payer tous les câbles distributeurs qui prennent nos images, que ce soit à Yaoundé ou bien dans toutes les villes du Cameroun, et tous nos loyers à l'étranger. Donc, juste ces loyers-là, on a besoin d'au moins 200 millions. Vous voyez. Donc, cette année, j'ai pris un engagement. J'ai pris le taureau par les cornes et je me suis engagé avec ma femme. On a trouvé bon de finir d'abord de payer toutes
ses dépenses annuelles. C'est-à-dire que chaque facture doit être résolue de façon annuelle pour qu'on puisse se reposer et se concentrer sur autre chose. Donc, ça fait qu'on a payé une très bonne partie de ces factures-là. On a le satellite qu'on doit, finaliser. Dans tous les cas, on a d'ici 3, 4, 5 jours, on aura achevé de payer toutes les factures de l'église. Voilà. Donc, voilà un peu mon objectif. Après cela, on va se concentrer maintenant dans la réalisation finale du bâtiment de l'église. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Ne manque pas nos programmes. Douala, ça sera très chaud de votre côté. Et Yaoundé, ce sera aussi très chaud. Et je sais qu'il y a d'autres programmes que j'annoncerai. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Ne manque pas. I'm waiting for you. Bless you.